Est-ce que tu me parlais? Mais je disais que c'est une idée intéressante que je suis en train de lire. Ah, tu relis tes notes de cours sur la religion? Oui, en fait, c'est sur la théologie des religions. Présentement, on étudie la religion juive. Et le professeur qui nous enseigne a des idées stimulantes. Mais il n'a pas utilisé la petite histoire que je viens de lire. Et qu'est-ce qu'elle dit, ta petite histoire? C'est un rabbin qui enseigne à des étudiants qui suivent une formation pour devenir eux-mêmes des rabbins. Il leur pose cette question. Est-ce que, d'après vous, le monde était mieux avant le péché d'Adam que maintenant? La réponse est assez évidente, non? Mais c'est ce que pensait l'élève le plus brillant de la classe. Et il a vite répondu, avant la faute, bien sûr. Mais le rabbin a répliqué, mais non, parce que maintenant nous avons un Dieu qui nous cherche. Ah, ça change la perspective. Oui, on nous prêche bien souvent que nous devons chercher Dieu. Mais si on réalise que Dieu lui-même nous cherche, ça change la perspective, comme tu dis. Oui, il faut peut-être ajuster nos idées sur Dieu, oui, mais aussi sur le péché et sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? On dit souvent que Dieu s'éloigne de nous quand on n'obéit pas à ses commandements. Mais c'est plutôt nous qui nous éloignons de lui. Et lui, il se met à notre recherche. Ah, j'aime ça, l'idée de Dieu à notre recherche. L'idée n'est pas de moi, ni de ce bon rabbin d'ailleurs. Tu as l'air surprise. Ben, oui, je vois où tu veux en venir. La parabole de Jésus. Les paraboles de Jésus. Il y en a trois. Si je me souviens bien, c'est dans Luc. Dans ces trois paraboles, Jésus nous donne l'image d'un Dieu qui nous cherche, mais aussi qui se réjouit quand il nous a trouvés. C'était sûrement important pour Jésus de nous le faire comprendre, puisqu'il revient trois fois. Tu sais, je me suis toujours posé la question. Quelle question? Mais tu sais, dans la parabole du berger qui abandonne 99 brebis pour aller en chercher une, je me demande si j'aurais fait la même chose. Il prenait tout un risque, il aurait pu en perdre une ou deux de plus en allant chercher la première. Tiens, je n'avais jamais pensé à ça. Dieu prend des risques en nous cherchant. Je suppose que tu as raison, mais quand on y pense, il prenait déjà tout un risque en nous créant. Il l'a fait parce qu'il voulait que nous vivions en communion avec lui. En communion, je veux dire en relation d'intimité avec lui. Mais Mais il ne réussit pas toujours. Il s'en faut. Et pourtant, pourtant, il n'abandonne pas. un Dieu qui cherche, un Dieu qui prend des risques, un Dieu qui n'abandonne pas. C'est toute une théologie. Je pense que tu peux continuer à lire tes notes. Et si tu as une autre petite histoire du même genre à me raconter, tu peux me la partager.
Thank you.